Massif, c'est Match à 3, donc tout ça pour dire que j'ai un ami, donc ça c'est un truc qui date de 2016 si je me rappelle bien. Donc petite vidéo que je vais vous présenter là avec tout ce qui va suivre. Donc c'est Serge, je la mets en retard parce qu'à l'époque j'avais les cheveux longs, j'avais pas encore les locks qui avaient poussé comme ça, j'avais la touffe avec les locks qui commencent à se former. Donc tout ça pour dire que c'est une partie Kumite. Donc pour ceux qui connaissent pas le Kumite, je répète, c'est du combat à deux, hein. Donc c'était une démo à Décathlon, donc tout ça pour dire pour Décathlon. Donc vous avez pu voir aussi la partie kata, hein, que j'ai mis sur démo. Comment ça s'appelait? Ah putain, je me rappelle même pas, même songer. Vital Sport, un truc comme ça. J'avais fait une démo kata et je vous invite aussi à aller la voir. Et là, j'ai un ami qui a mis récemment, hein, donc il a mis 2 ans après, hein, 2 ans après la guerre. Donc ça, je comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, au moins ça fait plaisir. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, maintenant je pratique plus le karaté, mais bien sûr, je m'entraîne toujours tout seul. Donc maintenant, je me suis mis au full, hein, comme vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo sur les tutos boxe, pied-poing, les bases. Donc je me suis mis au full contact cette année pour découvrir autre chose justement, pour avoir d'autres bases, d'autres sensations et d'autres manières de faire. Donc enfin bref, j'ai beaucoup parlé. Donc tout ça pour dire que là, je vais vous mettre la vidéo de mon Kumite pour la démo à Vital Sport. Donc tout ça, donc bien sûr les katas, je répète, c'est un combat réel contre des adversaires imaginaires, et là le Kumite c'est à deux. Donc bon, vous étonnez pas, c'est pas de la compétition, donc c'est chacun son tour, hein. Donc voilà, donc je vous invite à aller checker ça. Donc je vous la mets directement là, donc c'est parti massif. Donc j'espère que vous allez kiffer. Donc bien sûr, je vous rappelle, la vidéo date de 2 ans, hein, j'avais pas encore les locks comme je disais, j'avais les cheveux touffes avec les locks formés. Donc voilà. Donc j'espère que ça va te plaire. Donc bien sûr, ça t'a plu, abonne-toi à ma chaîne. Et puis va checker mes autres vidéos. Et puis voilà. Et puis suis-moi sur Instagram, Mrot officiel. Et tout ça. Oh. Ça fait partie du jeu. La qualité de l'eau, c'est d'être mobile. Et d'avoir une grande vitesse de jambes. Et de bien enchaîner les points. Ce ne sont pas des spécialistes des jambes, ce ne sont pas des spécialistes des points, ce ne sont pas des combattants statiques, ce sont des combattants qui ont les trois aspects dans leur bagage technique. Et ce qui ont permis de tromper leurs adversaires. En face, on reçoit les gens qui sont des points, soit les gens qui sont tranquilles, mais rarement, les combattants aussi complets qu'ils le sont. Ça fait partie du respect et de l'éducation que l'on donne aux arts martiaux.